et Mike vous amène faire du sport. Pas de la Zumba ni de la fitness, mais du RPM. Le Run Per Minute, c'est un sport de vélo en salle qui s'effectue sur une musique entraînante. Comme une véritable chorégraphie, les adeptes sont boostés par un coach. Vous alternez les positions et modifiez votre cadence. Le principe est comme tous les sports, transpirer. Et le RPM est un exercice parfait pour cela. En plus de la cardio, il permet de brûler beaucoup de calories. Par exemple, pour un cours de 45 minutes, chaque participant élimine 670 calories, l'équivalent de 4 yaourts, 200 g de bonbons schtroumpf ou encore un Whopper de chez Burger King. Un argument qui risque de motiver beaucoup de personnes. Ok, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti, bonjour, installez-vous, je commence. Déjà, je suis quelques minutes en retard. Voilà, c'est pas votre première fois. Ok, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ok, vous savez comment régler mon vélo. C'est parti, allez, bon entraînement. On aura 5 courses pendant l'échauffement, du travail lent avant d'entamer la course. Alors, soyez un petit peu plus attentif pour régler votre résistance. Alors, déjà, on démarre avec la résistance de base, lentement. C'est bon, c'est le décalage. Maintenant, le 3 quarts de la cadence. Allez, un petit peu plus de vitesse. Les doigts décrispés sur le guidon, les épaules relaxes, poitrine haute. Maintenant, vous allez rajouter la résistance de course qui va vous faire ralentir comme au départ. Avec moi. Lentement, sans la résistance de course, instantanément en course et plus vite. On y va. Voilà. Sentez que vous poussez bien avec la balle de pied. Je sens que vous poussez avec les cuisses. On les prépare à travailler plus sûr. Alors, complètement. Je sens que ça bouge. Sans plus lourd, sans dans le cercle. Allez, troisième course, c'est parti. Bon rythme. Un peu plus de tension, debout. C'est
Trois courses de 45 secondes. Redressez-vous. Redressez-vous, respirez plus facilement. Enlevez les épaules. Allez, on fléchit à partir des hanches. Trois quarts de la cadence. Tu mets un peu plus sur la résistance de base. Come with me. OK. Gardez l'alignement. Bon alignement. Genoux, hanches. Je ne coule pas de toilette. Et j'ai cherché à travailler avec les deux cuisses. Ça ne fait pas de vous pousser plus sur une pédale que l'autre. Ça va? On y va? Laissez reculer. On ajoute un petit peu plus de pression parce qu'on a résistance de base. Allez, trois quarts de la cadence. La dernière course avant la montagne. Alors, laissez la chance à vos cuisses de récupérer. Main sur la cuisse droite. On amène le pied loin dans l'arrière. On sort.
venir de cuisses. Change jambes, droite devant, gauche arrière.